Que vous allez bien, hein? Ici votre boy Tyson Fieles. Là, je reviens d'un workout, là, je suis un peu essoufflé, là, comme vous l'avez vu. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de la musculation. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux hommes de la team Fieles. Fait que, il y a certaines personnes ici qui ne sont pas encore motivées, là, pour aller à la salle du sport, aller commencer à soulever des poids et avoir un impact sur la santé. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous emmener 5 bonnes raisons. Je vais vous donner 5 bonnes raisons de commencer la musculation. Certaines personnes ont des perceptions sur la musculation qui ne sont pas nécessairement bonnes. Certaines personnes pensent que lorsqu'on fait la musculation, c'est devenir énorme comme les bodybuilders. Vous voyez, moi, je ne suis pas énorme, hein, pourtant, je fais de la musculation. Fait que aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais vous donner 5 bonnes raisons pour lesquelles tous les hommes doivent faire de la musculation. Fait que, let's go. Première raison pour laquelle tous les hommes doivent faire de la musculation, c'est que la musculation permet de pouvoir développer de la discipline. Moi, je dis le deuxième nom de la musculation, c'est la discipline. Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas avoir de résultats au niveau de la musculation. Pourquoi? Parce que tu es obligé d'être discipliné au niveau de tes séances d'entraînement. Le temps de repos, par exemple, au niveau de tes exercices, quand tu les répètes à la salle de sport, tu es obligé d'être discipliné au niveau de la nutrition. Si tu manges n'importe quoi, tu n'auras jamais de résultats. Tu es obligé d'être discipliné au niveau de ton sommeil, respecter tes 8 heures de sommeil par jour, tu vois. C'est autant de composantes qui te demandent d'être assez discipliné afin de pouvoir atteindre le résultat que tu veux. Que tu veux plutôt, excusez-moi pour vous. C'est ma gauche qui m'a un peu trahi là. Fait que c'est de ça qu'il s'agit. Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas avoir de résultat en musculation. Et la discipline, on le sait, hein, c'est quelque chose de fondamental. Si tu veux réussir tes choses dans la vie, que tu sois entrepreneur, que tu sois, comment on appelle ça, licencié dans une entreprise, tu ne peux pas t'amuser à ne pas fournir de bons résultats. Et pour pouvoir fournir de bons résultats, tu es obligé d'être discipliné, savoir ce que tu as à faire et puis le faire bien, quoi. Avoir le temps nécessaire pour le faire. Fait que si tu as besoin d'une activité pour pouvoir te permettre d'être discipliné, d'être vraiment concentré sur tes choses, il n'y a pas mieux que de commencer la musculation, quoi. Parce que avec la musculation, tu es obligé d'être discipliné, tu n'as pas le choix. Fait que ça, c'est la première raison pour laquelle tu dois commencer la musculation. La deuxième raison pour laquelle tu dois faire de la musculation, comme je te l'ai dit, aujourd'hui je suis là pour te convaincre. Je vais te donner 5 bonnes raisons. La deuxième raison pour laquelle tu dois faire de la musculation, c'est que la musculation te permet de développer ton sens de la planification. Musculation, planification. Tu vois, ça, c'est deux thèmes qui riment ensemble. Tu comprends un peu? Fait que si tu n'es pas organisé au niveau de tes séances, par exemple, pour quelqu'un qui veut avoir 4 séances par semaine, disons, 4 séances par semaine et il se donne une heure de séance dans chaque entraînement. 4 séances par semaine, une heure par séance, tu comprends un peu. Une heure par séance, imagine tu habites à 30 minutes de ta salle de sport. 30 minutes, tu t'en vas, 30 minutes de retour. Ça te fait 2 heures pour une séance. Donc si tu as 4 séances, ça te fait 8 heures. Pour avoir 8 heures dans le programme de quelqu'un qui travaille, dans le programme de quelqu'un qui est par exemple un étudiant, souvent les étudiants n'ont pas le temps. C'est vraiment difficile, tu comprends un peu. Donc, tu es obligé de pouvoir agencer ton emploi du temps afin de pouvoir trouver de l'espace pour aller à la salle de sport. Également, tu es obligé d'être organisé pour pouvoir aller faire de l'épicerie. L'épicerie pour pouvoir te nourrir, pour pouvoir apporter les nutriments nécessaires qui vont te permettre de développer tes muscles, tu comprends un peu. Donc, tu es obligé de pouvoir avoir un certain planning. Fait que faire la musculation, ça te permet de pouvoir t'organiser. Ça te permet de toujours avoir l'idée, ok, je dois m'entraîner. Donc, comment je trouve de l'espace? Tu seras toujours en train de faire ton programme, ton emploi du temps pour la semaine afin de pouvoir dégager du temps. Fait que ça te permet d'être organisé dans tes affaires, ça te permet d'être un bon planificateur. Et la planification,
n'y a rien à dire. Hein. C'est vraiment un avantage pour toi là. Parce que tu auras toujours une longueur d'avance sur ce que tu dois faire. Parce que tu es organisé, tu es discipliné. C'est un peu, les deux vont un peu ensemble, mais c'est tout de même, c'est quelque chose qui te permet de développer cette qualité là. C'est une qualité aussi, la planification. Fait que troisième raison pour laquelle tu dois commencer la musculation, c'est que la musculation développe ton sens de la patience. Les gars, tu peux pas avoir des résultats en musculation si tu n'es pas patient. Pourquoi? Parce que tu peux avoir un ami avec qui vous commencez à aller à la salle de sport et tu observeras un développement musculaire chez lui plus rapidement. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la même morphologie. Certaines personnes prennent plus de temps pour pouvoir avoir des résultats. Tu comprends un peu? Fait que si tu vois ton ami prendre la masse musculaire alors que toi, tu es vraiment en retard, ça peut te décourager. Et si tu es découragé, tu n'es pas patient par rapport à ce que tu veux, par rapport à ton résultat, tu vas voir que tu pourras abandonner rapidement. Et abandonner, ce n'est pas vraiment la bonne idée. Et pour pouvoir avoir des résultats en musculation, il faut être vraiment patient. Moi, je me rappelle quand je partais en salle de sport au début, je voyais des gars vraiment musclés, quoi. Je me disais, mais merde, je suis le gars le plus mince de la salle. Tu t'es intimidé, quoi, tu comprends un peu. Mais une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, trois mois, je commençais à avoir des résultats et toi-même, tu ne les observes pas. C'est les gens qui les observent et qui te disent, ok, yo, tu as commencé à prendre un peu de la masse musculaire, qu'est-ce qu'il y a, tu es vraiment dété là, quoi, tu comprends un peu. Fait que c'est de ça qu'il s'agit, c'est vraiment la patience, ça te demande d'être patient. Surtout, certaines personnes qui ne mangent pas bien, tu vois, tu as besoin de bien manger. Donc, si tu commences à bien manger, il faut que ton organisme commence à s'adapter. En tout cas, ça prend vraiment du temps, c'est un processus, c'est un long processus, tu comprends un peu. Tu ne peux pas rusher le process, tu peux pas aller rapidement. C'est comme ça, c'est ton corps. Tu es obligé d'écouter ton corps pour aller avec ce que tu as, tu comprends. Fait que c'est de ça qu'il s'agit, tu es obligé d'être vraiment patient. Et la patience, c'est une clé fondamentale pour la musculation. Si tu deviens patient, tu vois que c'est vraiment intéressant pour toi dans ta vie parce que la patience te permet très souvent de pouvoir saisir certaines opportunités. Si tu es patient, tu pourras sauter sur une opportunité, tu feras une très bonne affaire, tu comprends. Et comme on le dit, la patience est une vertu. Hein. Donc, si tu peux développer la patience avec la musculation, c'est à ton avantage. Tu muscles, tu développes la patience et puis voilà, on avance quoi. Fait que ça, c'était la troisième raison pour laquelle tu dois commencer la musculation. Elle te permet de développer ton sens de la patience. Alors la quatrième, je pense que vous le savez tous là, on a tous vu des gars à la salle de sport qui sont pas super musclés, mais qui commencent à marcher comme ça. Même dans la rue, hein, les gars sont pas super musclés, mais ils commencent à marcher comme ça. Pourquoi bro? Pourquoi le mec il marche comme ça? Comme s'il pouvait frapper tout le monde. Pourquoi? Pourquoi? Moi, je vais vous répondre. Parce qu'il a une confiance en lui-même qui est assez élevée. Moi, je vais vous raconter juste moi mon histoire. Je vais vous raconter juste moi mon histoire. Il y a 2 ans, 3 ans, si tu me disais, Edgar, enlève ton t-shirt, commence à workout, je te filme. J'allais jamais accepter ça. J'allais dire, merde, t'es fou, quoi. Tu me prends pour qui? Je me mets torse nu et puis je commence à workout. Mais va sur ma page Instagram, TysonCLS. Tu vas voir que tous mes entraînements que je le fais torse nu. Pourquoi? Il y a une seule raison qui explique ça, parce que j'ai confiance en moi, je me sens à l'aise dans mon corps. Et quelqu'un qui a confiance en lui, il peut faire des choses extraordinaires parce qu'il croit en ce qu'il fait. Tu comprends un peu? Et tu as besoin d'être confiant. Si tu es entrepreneur, même si tu travailles dans une entreprise, je sais pas, tout ce que tu fais dans la vie, si tu as confiance en toi, les gens auront tendance à te suivre au fait dans ton idée. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu fais, tu sais là où tu t'en vas. Tu vois, donc les gens seront vraiment enclins à adopter ce que tu veux au fait. Tu comprends? Fait que même si tu es en entreprise, tu as besoin de pouvoir être confiant lorsque tu exposes un projet au boss, ce genre de choses. Tu comprends avec que la confiance en soi, il n'y a rien de tel quoi. Même dans tes relations, que ce soit tes relations amoureuses, que ce soit tes relations avec les amis, quelqu'un qui est confiant, qui sait ce qu'il fait, il a commencé à attirer plus de personnes autour de lui. Comprends, fait que c'est là qu'on parle de comment on appelle ça, ben ça c'est notre thème là, alpha mâle, ce genre de choses. Un alpha mâle, c'est quelqu'un qui a confiance en lui de ouf. Fait que la musculation, ça te permet d'avoir confiance en toi, tu es à l'aise dans ton corps, tu es vraiment à l'aise de voir tes résultats, tu te sens BG quoi, tu comprends un peu. Ça te permet même d'augmenter, tu penses que tu es BG, tu penses que tu es attractif, tu vois, ça augmente ton attractivité. Fait que pourquoi ne pas être confiant, pourquoi ne pas avoir confiance en ce que tu fais? Comprends, fait que c'est de ça qu'il s'agit.
n'y a pas meilleur moyen de développer sa confiance en soi qu'à travers la musculation. C'est à travers la musculation que tu peux vraiment développer ta confiance en toi-même. Et franchement, tu ne seras pas déçu, quoi. Crois-moi, tu ne seras pas déçu. C'est le meilleur moyen. Fait que, on va passer à la cinquième raison, cinquième et dernière raison pour laquelle tu dois commencer la musculation. Ça, c'est vraiment quelque chose de mon expérience que j'ai remarqué. La musculation m'a permis vraiment de sauver beaucoup d'argent. Je m'explique. Et la musculation peut te permettre de sauver beaucoup d'argent. Si j'ai quelqu'un, par exemple, qui mange beaucoup dehors, comme moi je le faisais, qui commandait beaucoup de choses à travers Uber Eats, ou bien tu partais au restaurant, tu commandais beaucoup de choses. À travers la musculation, tu comprends que non, je ne peux pas continuer à manger comme ça, je ne peux pas continuer à ne pas contrôler mon alimentation. Donc, tu es obligé de faire de l'épicerie afin de pouvoir contrôler le niveau de sel qu'il y a dans ton alimentation, le niveau d'huile, le niveau de sucre. Moi, par exemple, je ne mange plus de sucre, tu vois. Mais si je vais acheter juste un croissant dans, ou bien un gâteau quelque part, ça sera bourré de sucre. Mais ce n'est pas nécessairement mon avantage vu l'effort que je fournis à la salle et le sucre que je vais prendre. Tu vois que je n'ai rien fait, je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai perdu, mais j'ai regagné encore. Fait que c'est pas ce que moi je veux. Moi je veux perdre et je veux construire du muscle. Fait que je mange des aliments qui me permettent d'avoir, qui me permettent de construire mes tissus musculaires. Fait que c'est de ça qu'il s'agit. Une fois que tu commences à faire de la musculation, tu auras tendance à faire toi-même ton épicerie, préparer toi-même plutôt que de dépenser de l'argent dans la nourriture, dans les restaurants qui n'ont aucune éthique sur le niveau d'épices, sur l'assaisonnement. Ils vont vraiment assaisonner selon, comment on appelle ça, le menu, selon ce qui est écrit dans leur carnet, comment préparer tel aliment. Mais est-ce que la manière de préparer tel aliment est bon pour toi? Moi, je ne sais pas, ce n'est pas nécessairement bon. Si tu as certains objectifs physiques, tu vois un peu. Fait que c'est de ça qu'il s'agit. Avant, moi, mon budget nourriture, ça pourrait aller à $500 canadiens, par exemple, juste parce que je commandais beaucoup de choses dehors. Mais avec l'épicerie, ça réduit carrément de $200, tu vois un peu. C'est vraiment de ouf. Avec $200, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux investir à la bourse, tu peux économiser ton argent. Tranquillos, quoi. C'est que là, ça, c'est vraiment mon expérience. Je sais pas pour certaines personnes me diront que la nourriture santé coûte cher. Mais bro, moi, je pense que la santé, ça coûte rien, quoi. Ça coûte rien si tu peux acheter quelque chose. Et puis, $40, tu peux dépenser ça en un jour dans une bouffe que tu payes dans un restaurant. Alors que si tu prépares toi-même $40, tu peux faire 4 repas, 4 bols, tu vois, un peu. Puis manger santé en plus. Fait que c'est de ça qu'il s'agit. Et comme ça, c'est une autre raison, mais je ne vais pas ajouter ça. On le sait tous, hein. La musculation, c'est quelque chose qui te permet de développer ta santé. Ça permet de développer ta santé. Pourquoi? Parce que tu fais de l'exercice qui est très bon. Moi, je pense que les docteurs doivent travailler avec les aspects de conditionnement physique afin de pouvoir aider certaines personnes. Le sport, c'est très important. Et tu as ton alimentation que tu contrôles grâce à la musculation. On sait que toutes les maladies sont dues à ce qu'on met dans notre bouche. Fait que si tu contrôles ce que tu mets dans ta bouche, tu as plus d'avantages à éviter certaines maladies. Moi, comme ça, je tombe rarement malade maintenant, quoi. Même le corona, il vient, je le tranquillos, quoi. Parce que je fais toujours du sport. C'est de ça qu'il s'agit. Fait que c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, hein. J'espère que vous êtes motivés. J'espère que vous êtes motivés. Parce que c'est 5 bonnes raisons, vous n'avez pas le choix. C'est des choses qui vont vous aider. Ces avantages-là vont vous aider dans tous les domaines de votre vie. Fait que si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre-là, sur la musculation, sur les protéines, sur les créatines, tout ce que vous voulez, dites-moi dans les commentaires. Je vous débat tout ici. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram. Je poste beaucoup de fitness, je poste beaucoup d'entraînement. Fait que je pense que vous pourrez vous en inspirer afin de pouvoir débuter en musculation ou bien peut-être que vous voulez quoi, être motivé. Fait que c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je vais vous laisser, je retourne à mon entraînement. See you guys. Thank you.
juste